この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour jouer à Suzuki All-Star Racing. Je n'ai jamais compris le délire de l'écrire comme ça, All-Star. C'est une autre langage. Alors, ça doit être une signification que je n'ai pas. Donc, c'est un jeu de moto, comme vous avez pu le voir rapidement, en tout cas, sur l'écran du jeu, avec donc le constructeur Suzuki. On va donc découvrir ce jeu ensemble. Donc voilà, les contrôles, on regarde un petit peu. On est sur Dreamcast, donc on peut donc accélérer avec les gâchettes, freiner avec les gâchettes. Apparemment, on peut choisir plutôt de faire les passages de vitesse avec les gâchettes, accélérer avec la croix, freiner et tourner avec le steering. Je vais faire plutôt cette manière-là. Vous savez que c'est à peu près celle que j'utilise tout le temps. On a le son, donc on a la musique. Voilà, bon, il n'y a pas de musique pour le moment. Donc on a un mode carrière ou un mode course simple. Je vous propose un mode course simple pour découvrir un petit peu le maniement du jeu, etc. On peut changer le nombre de concurrents. Vous pouvez voir qu'on peut avoir jusqu'à 7 concurrents en bas. On est à 0, on va mettre le maximum hein, tant qu'à faire. On peut choisir diverses motos, mais pour le moment on a droit qu'à 7 motos et on peut même la régler. Si on fait la puissance, maniabilité, freinage. Mais vous voyez, si on change quelque chose par exemple, on baisse le reste. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre par exemple... On va faire les deux en même temps, j'ai l'impression. Bon, on va garder la maniabilité, je pense que c'est le mieux. On va faire valider. Voilà. Et au niveau du circuit, on a le Tropical Trail, White Mountain et Sandstone Canyon. Trois circuits, puis vous pouvez voir qu'on peut en débloquer pas mal, hein. Il y en a encore au moins ouais, quasiment 9 à débloquer. Donc pour le moment, on va commencer par le plus Tropical Trail, par exemple. On peut changer la combinaison ici, donc on n'a que trois combinaisons au choix. Donc on a une combinaison. Hydrocoma, je crois qu'il y a marqué ça, avec Beta, All-Star, voilà ce que je disais tout à l'heure. On a Foxhound, Beta et on a All-Star avec Speedy. Speedy, pardon, désolé. On va prendre le deuxième, tu vois, par exemple, et on va faire course. Et donc c'est parti. Donc, voilà, on a de la musique, heureusement, c'est ce que j'attendais un petit peu de savoir, mais on a la musique en jeu, ça fait plaisir. Et donc, on manie une petite Suzuki, je crois que c'est une 600 apparemment, sur des circuits un petit peu, bon, pas loufoques, hein, on est quand même quelque chose de moyennement réaliste, mais bien sûr, c'est pas là où en général vous êtes censé faire rouler votre moto, mais bon, ça reste un point de détail. Donc, le maniement est assez arcade, on tourne gauche-droite, c'est assez vif. On peut voir que les décors sont plutôt des décors, alors on a un décor un petit peu île paradisiaque, j'imagine. Et là, je vais me prendre le mur, regardez le carton que je me suis pris. Alors, j'ai peut-être baissé un tout petit peu le son du jeu, par contre, qui est légèrement fort. Voilà, on va faire un retour. Et voilà, le tour est déjà fini. Le tour qui était assez court. On a le tracé du circuit en haut à gauche. On a divers vues, vous allez voir, voilà, je peux mettre une vue un petit peu plus loin si j'ai envie. Alors je peux même rouler sur le bas-côté, tout va bien. Donc la gestion des chocs, évidemment, on l'a vu et on s'est planté. J'ai une vue un petit peu plus éloignée encore. Et déjà, première chose que je vais regretter légèrement sur la version Dreamcast. C'est que l'on voit le pop-up en fait devant. Alors c'est un pop-up progressif, c'est-à-dire qu'en gros c'est une ligne d'affichage au loin, mais on voit qu'elle s'affiche au fur et à mesure. Là on le voit pas forcément parce que c'est pas une zone ouverte. Et si vous faites attention un petit peu au loin, vous voyez qu'il y a un peu de clipping. Alors le clipping à cette époque c'était encore monnaie courante avec la Play 1, 64, etc. ou même avec le fog, genre de trucs. Mais bon, sur Dreamcast ça commence à être un petit peu. Voilà, là on l'a bien vu. C'est pas un genre de truc qu'on souhaitait voir sur une 128 bits. Et on a une vue intérieure, regardez-moi ça.
qui est beaucoup plus immersif, bien entendu. Et on a un checkpoint, hein. On peut voir qu'on a un temps limité quand même. Bon, pour l'instant, ça se passe super bien. Regardez, je suis en tête. Tout se passe bien. Bon, les motos sont réalisées de manière assez correcte, hein, c'est assez moyen. On peut voir quand même que les roues sont assez dégueulasses. On a l'impression de jouer à un hang-on sur Saturn. C'est vraiment assez grossier. Regardez, on a une petite vue intérieure, enfin en tout cas une caméra intérieure. Et on s'est fait repasser par l'IA, mais on s'en fiche puisque de toute façon, là on a gagné la course. Donc là, je peux changer un peu les visuels. Et si je fais start, évidemment, voilà, je peux revenir au menu principal ou changer de course. On va faire changer. Félicitations, votre temps est l'un des meilleurs. Ouais, dans l'austérité complète, hein, au passage. Je peux... alors là, c'est un peu particulier. Voilà, je peux l'aide précédente, valider, etc. Bon, dans le doute, je me suis trompé. Donc, on va faire... Alors, ça, c'est pour l'aide précédente, valider la lettre. Voilà, là, je peux la changer. Donc, on va essayer de faire entrer notre nom quand même. Voilà, on s'appellera K. Hein. Voilà. Heureusement que c'est pas en trois lettres. Hein. Donc on va faire continuer. Et on va changer. On va prendre la White Mountain qui a l'air un peu plus compliquée. On a toujours que cette moto, donc pour le moment on va laisser comme ça. Et vous allez voir la course, enfin en tout cas ce tracé est un petit peu plus compliqué. Il faut un peu plus anticiper. Alors la fluidité est plutôt bonne, hein, il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là. C'est pas non plus ultra fluide, mais ça suffit largement pour pouvoir jouer normalement. Les sons sont corrects, sans plus. Là, il n'y a pas de musique par exemple, je ne sais pas pourquoi. Alors je pense que ça peut être un petit bug, on va mettre ça sur le compte du fait que je joue pas sur la... entièrement sur la Dreamcast. Mais bon, le principal c'est quand même de voir au moins le jeu avec la 3D, etc. Si je fais start d'ailleurs, je n'ai pas d'option. Hein. Pas mettre d'options audio, vidéo, etc. Il y a des gros freinages. Ouais, si, c'est on peut freiner. Alors, il y a une petite jauge rouge. Je sais pas à quoi elle correspond. Est-ce qu'elle va grimper? Est-ce qu'elle va augmenter en... au fur et à mesure? J'ai pas vu à quoi servent les autres touches. Typiquement, il y en a une qui sert à rien. Le frein, on l'a vu. Et les gâchettes, c'était pour monter ou baisser les vitesses. Mais comme là, on est en automatique, ça n'a pas d'intérêt. Alors, on va changer un petit peu de vue, histoire de mettre un peu d'ambiance. Alors niveau décor, c'est assez succinct, hein. On n'est pas non plus énormément de choses. Il me semble que ce jeu donc, est sorti sur console 32 bits aussi, mais je peux me tromper. Et c'est ce qui est esprit créé, c'était un petit peu le cas souvent à l'époque la Dreamcast, et c'est pour ça que la Dreamcast malheureusement... si elle a très bon jeu, il y a eu aussi pas mal de déceptions, c'est qu'elle avait tendance à simplement upscaler en fait des jeux Play 1. Donc les jeux étaient déjà développés sur la 32 bits et après juste remasterisés avec des textures un peu plus précises, améliorées, un peu plus fines, etc. Du jeu Play 1, mais sans la profondeur d'un jeu 128 bits. Donc c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Et beaucoup de jeux sont tout simplement des gâchis sur Dreamcast parce que bah quel intérêt finalement d'acheter Dreamcast si c'est pour avoir le jeu juste en 640 par 480 et encore si vous aviez le câble adaptateur. Pour l'utiliser sur un écran type PC. Mais à part ça, à part une résolution plus élevée que la PlayStation ou la Saturn, voire la 64, il n'y a pas de grande différence. C'est là où la Dreamcast a un petit peu pêché en sa ludothèque. Même s'il y a eu des jeux faits pour la Dreamcast qui étaient excellents. Bon, bah là, ça passe plutôt pas mal. Voilà, on va finir le troisième tour. Alors, l'écriture, c'est marrant parce que ça me fait penser à Epote, hein, sur lequel on a joué il n'y a pas longtemps. Et regardez le carton. Oh là 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 là. Et déjà, je me suis rattrapé en l'espace d'une seconde. Alors vous voyez, j'ai une jauge, j'ai l'impression que cette jauge en fait, elle a augmenté. Ah d'accord, c'est une jauge de boost, regardez. Je vais utiliser la touche, et voilà, je vais pouvoir aller plus vite. Alors par contre ça devient incontrôlable. Oh là il est mort, hein. Là il est mort 4 fois le pilote. C'était vraiment super rapide. On peut toucher évidemment les IA. Mais faire attention parce qu'on peut quand même tomber en tapant trop fort les IA. Je vais essayer de mettre un peu de boost, voilà. Oh allez, il laisse sa moto. Parce que j'étais en train de me dire, on peut pas lever la moto avec en mettant la flèche vers le bas. Ou le joystick vers le bas. Mais en fait, pas besoin, puisqu'il y a le bouton boost pour ça. À utiliser avec parcimonie, bien entendu. C'est comme n'importe quel jeu. C'est bien d'aller vite, mais il faut aussi maîtriser après ses trajectoires.
Et vous avez vu, il a utilisé, je pense, à la fin le boost pour essayer de me rattraper. Donc on a fini le dernier tour et du coup on a remporté la victoire. On va faire menu principal et on va voir le mode carrière. Donc on va faire continuer, on va valider, voilà. Et on va voir donc le mode carrière. On va faire un nouveau. Donc on va s'appeler, on l'a dit, voilà. Là je vais mettre un nom tant qu'à faire. Je sais pas si on va y arriver. Voilà. Donc on a novice, on a une première session, donc session 1. On va changer de tenue par exemple. Et la session 1, c'est les trois circuits, donc Sandstone, Tropical et White Mountain. On va s'élancer pour faire une course et évidemment pour le moment, on va conserver la Suzuki que l'on avait depuis le début. Et on verra d'ailleurs si on peut débloquer quelque chose si on remporte le championnat, ce qui est logiquement le cas. On va peut-être faire des super départs aussi, là j'en ai pas fait. Donc là voilà, on est tourné sur le canyon. Alors pour l'époque, ça c'est quand même quelque chose de joli. Hein. Faut pas se mentir, c'est quand même sympa. C'est pas exceptionnel, mais bon, enfin quand on comparait à la Play 1 ou même Saturn, c'était quand même beaucoup plus fluide, beaucoup plus joli. C'est pas transcendant, mais ça suffit pour faire son effet en tout cas à l'époque. Ouais, là par exemple, on va agrandir la vue. Ils aimaient bien mettre des vues super larges dans ce genre de jeu, ça réduisait un petit peu l'effet de vitesse. Là par exemple, on a un bon effet. Je vais pas utiliser mon boost tout de suite, hein, on va découvrir le circuit ensemble. Même si le circuit évidemment est un peu plus simple pour le coup. On est déjà dans le deuxième tour par rapport aux autres tracés parce que c'est le premier. Je n'ai pas de vue arrière d'ailleurs au passage. Ah, il va y avoir un petit pif paf. Voilà, ici et là. Et on va commencer à utiliser un peu de boost. On l'utilisera peut-être pour la fin. Pourquoi je l'utilise maintenant? Je vais vous laisser un petit peu les musiques du jeu. J'ai mis le bouche que la fin parce que j'ai failli me faire dépasser. Bon, musique particulière quand même. Ça fait très très jeu d'arcade. Oui, quand même la vision, regardez au fond, bon c'est un bitmap j'ai l'impression, mais le décor en arrière est quand même super beau. Bah, je trouve que c'est quand même joli hein, en termes de texture. C'est très correct. Ça manque de détails évidemment, ça fourmille pas de détails entièrement, mais c'est quand même très joli. On a réussi donc à faire le meilleur tour, on va donc passer au deuxième circuit. Donc on a un classement. Et on va faire Tropical Trail, donc on l'a fait tout à l'heure, donc on va revenir un peu sur le circuit qu'on a fait avant. Hein. Alors je sais pas encore comment faire un super départ, si en tout cas c'est faisable de faire ça. Bon, on n'avait pas galéré tout à l'heure, donc je pense qu'on va peut-être pouvoir s'en sortir bien sur ce circuit. Regardez-moi ça, on a pris, oh, regardez le saut. pas mal, on a pu faire un saut énorme. Ah, c'était sympa, je pensais que j'allais me planter, et finalement le jeu a décidé que non, ça va, cette vitesse tout va bien. Dans la vraie vie tout ça... Oh regardez. J'ai fait un, je crois qu'on appelle ça un grind, je pense que c'est ça. Sur la partie en bois. Et la réaction de la moto a été assez particulière. Alors là il faut que j'attention, voilà, je me suis planté. Je vais reprendre la vitesse et on va se replanter. Regardez comment on saute. Aïe aïe aïe, des fois la gestion des trucs c'est pas non plus exceptionnel. Allez, je peux passer par là, aucun problème. Je considère que je n'ai pas triché. Alors qu'en fait si, j'ai complètement triché, mais bon. J'ai l'impression que la musique c'est la même que celle tout à l'heure, ça n'a pas bougé. Mais enfin, c'est pas grave, ça met un petit peu d'ambiance. Oh là, attention de pas se prendre tout. On fera attention au dernier virage qui est un peu serré. Ouais, il est là normalement. Juste après les pif paf, ici. On va mettre un petit peu de boost. Et là, je peux passer par là, hein. Regardez. Hop là, on a grugé un peu. Et encore une fois, on saute de partout. Et on a perdu un peu de vitesse.
Bon, la musique, j'aurais compris, c'est pas transcendant du tout, hein. Ah, je vais réussir l'exploit de me planter maintenant. J'ai mis la boost au dernier moment pour être sûr de ne pas perdre, voilà, ça c'est bon. Mais ça a failli être juste. Et du coup on passe à la suite, on va faire le troisième tracé. Pour l'instant on est largement en tête, avec 10 points d'avance, quasiment une victoire. Donc logiquement on devrait même pas perdre, quoi qu'il arrive. Surtout que le dernier marque un point. Donc, enfin apparemment marque un point. Non, il n'y a pas un point le dernier par contre, j'ai une bite. C'est vu que tous les pilotes ont marqué un point, mais... à la suite. Cette austérité dans les menus, c'est un petit peu dommage. Bon après, potentiellement qu'il y a une musique qui ne s'affiche pas, on verra. Et on a droit à une musique un petit peu différente. Ah bah non, c'est la même. Ou alors c'est parce que j'ai pris le checkpoint peut-être. Ah, c'est peut-être le bruit du checkpoint, pardon. Et c'est le carton. Vous avez vu, on s'est traversé quand même. J'ai au moment une phase d'invincibilité. Je me suis arrêté sur un Mario. Pour pas me faire rentrer dedans bêtement par l'IA alors que je reprends à peine la piste. Ça c'est plutôt intelligent comme, comme concept. Alors la première musique m'a tellement pas marqué que je ne sais même plus si c'est la même que tout à l'heure ou pas. Pour vous dire. Oh le saut. Et aïe, c'est le carton. Alors bon, petit bug graphique vous l'aurez vu. On est carrément rentré dans le mur, on a traversé le mur avec la moto. Donc ce jeu est loin d'être exemple de bug, comme vous l'aurez compris. Prendre un peu de vitesse quand même, voilà, un peu de boost. Alors ce qui va être intéressant, c'est de voir quel moto on va gagner, est-ce qu'on va pouvoir aller beaucoup plus vite. Peut-être qu'après le jeu devient très intéressant avec d'autres circuits, d'autres motos. J'imagine qu'on aura que les Suzuki évidemment, parce que le jeu est quand même sponsorisé que par Suzuki. Bref, vous ne risquez pas, je pense, d'avoir des Aprilia, des KTM, ce genre de choses dans le jeu. Bon, je pense que je ne vous apprends rien. Joli checkpoint. Si je vous dis que ce jeu, s'il avait fait, il a eu un succès énorme, il y en aurait eu d'autres, et là il n'y en a pas eu d'autres. Donc... on a eu d'ailleurs, c'est assez intéressant, parce qu'on a eu Castrol Honda Superbike, comme si l'éditeur s'était dit Honda sort un jeu, on va vite sortir le nôtre pour représenter notre équipe. Donc potentiellement, on a un jeu Ducati World en plus, qui est sorti en 3, avec... j'ai encore planté bêtement. Le mec s'il est pas mort comme ça. On a aussi Ducati World qui est sorti, en plus dans les mêmes périodes. Décidément les constructeurs de motos ils s'amusaient. Hein. Chacun a sorti leur jeu. Je sais pas quel jeu n'est pas sorti, peut-être Kawasaki, j'en ai pas entendu parler. Qu'est-ce qu'il y a de constructeurs de motos, il y en a tellement. MV Agusta je pense qu'il n'y en a pas sorti non plus. Mais bon c'est quand même intéressant, c'est-à-dire qu'il y a eu 3 licences de motos à cette période. Peut-être une que j'oublie d'ailleurs dans l'eau. J'ai fait 2 fois la même erreur. Et on a gagné, heureusement. Heureusement, j'ai pas fait de bêtises dans le dernier secteur. Bon, encore une fois, c'est pas une musique qu'on va retenir, c'est un petit peu dommage, la bande-son je la trouve pas, enfin après ça reste des goûts de chacun, les bandes-son c'est assez... soit on aime, soit on n'aime pas, enfin c'est difficile de... c'est des goûts... les égouts et les couleuvres comme on dit. Et donc on a gagné, et on peut commencer un nouveau championnat. Bon, on va faire la saison 2 directement, on va prendre par exemple, on va prendre le premier tant qu'à faire. Et donc là on va découvrir un nouveau circuit, apparemment les deux prochains seront des nouveaux tracés. Donc là on va reprendre le premier circuit qu'on connaît, mais regardez, on a une nouvelle moto.
Alors je sais pas si elle a une stat différente. Si je fais régler la moto, bon non, pour l'instant il n'y a pas de différence. J'ai envie de changer la manométrie, mais il faut quand même de la puissance. On va la laisser par défaut. En même temps, pour enlever tout petit peu, voilà. Là. On va faire valider et on va prendre la mode racing. Donc c'est le même modèle, mais en mode course. Bon là, c'est encore une nouvelle musique. Ouais, en fait je peux couper mais je perds un peu de vitesse donc je suis pas certain que c'est un grand intérêt finalement de faire ça. Mais bon. Ça m'évite de me prendre des blocs dans la tête. Alors vous avez vu au début du jeu, il n'y a pas d'intro, bon ça c'est une chose. Mais ce qui était plus intéressant c'est de voir l'ancien logo de Criterion avec le chien. J'avais jamais vu ce logo. En tout cas, ça me parle pas à l'époque. Et donc, ça m'a fait bizarre de voir ça. On va finalement couper. Enfin, sur l'extérieur, ça a pas trop d'intérêt. Olé, attention. Pas tout se prendre non plus. Criterion qui avait fait juste après les burn-out, justement. Je pense qu'à une deux années près, ouais, ils ont sorti les burn-out. J'essaie de voir s'il y a des similitudes dans leur moteur graphique et étrangement il y a quelques détails qui m'y font penser. Mais c'est très léger, hein. C'est vraiment léger. Parce que j'ai pas vu parler du moteur, j'ai pas vu le moteur Underwear, donc Underwear c'était un moteur graphique assez connu à l'époque. D'ailleurs il y a une documentaire là-dessus sur YouTube que je pourrais conseiller, sur le Underwear justement, qui à l'époque était utilisé par pas mal de licences. Un peu comme à notre époque l'Unity ou le c'est pas le moteur de Quake là, Unreal Engine. J'ai réussi à freiner à temps, on va mettre un peu de boost et on a gagné. Et on va enfin découvrir un nouveau tracé. Donc on va faire Brooklyn. Ah, peut-être en ville, ça va être sympa. On va faire OK. On va garder la même moto. Alors par contre, vous avez vu, je peux choisir de moto en plein milieu du championnat. C'est-à-dire concrètement, je peux dire cette moto me plaît pas, je change en plein milieu. Bon, pourquoi pas. Donc là, voilà, je vais découvrir le tracé. Donc on est de nuit, on a les phares qui se sont allumés. Alors, est-ce qu'on aura du décor? Est-ce qu'on aura, par exemple, je sais pas, hein, des véhicules pour nous bloquer? J'en doute un petit peu, mais... Ah, attention, il va falloir freiner ici. Ouais, je sais pas, j'imagine qu'il faut freiner si je me réfère au... Au tracé en haut. Bon là par contre je pense qu'il va vraiment falloir freiner. Alors oui, ils ont complètement coupé. Ah, on a dans un dock. Aïe aïe aïe, il y a les cartons. Ok, donc de là ce circuit vous avez pu vous rendre compte, il est peut-être un peu plus difficile. Est-ce qu'on va avoir un petit saut? Oui. Bon, ce qui est bien c'est que le nouveau circuit, enfin en tout cas le premier des nouveaux circuits, est plus intéressant techniquement que les premiers. Bon ouais, les chocs entre les joueurs sont pas non plus très punitifs. Ah pas mal la descente aussi, sympa. Quand on connaît le circuit, je pense qu'avec la vue embarquée, il y a quoi s'amuser. Le circuit a l'air très très long aussi. Hein. Là, on est un peu dans une sorte d'escargot. Alors étrangement, le moteur graphique me fait plus penser à du Daytona USA 2001, plus qu'à du Burnout. Mais bon, comme je dis, c'est pas forcément le moteur graphique. On est en tête, en tout cas pour le moment, donc tout se passe bien. Oh les, attention au poteau. Gros virage, on tourne, et hop là. Ouais, les motos sont vraiment super faciles à manier quand même. Et au moins ce jeu n'est pas prise de tête, hein. Ce jeu est vraiment
vraiment classique. Et je me fais encore avoir au même endroit. En fait, il faudrait vraiment que je tourne fort à droite. Oh là là, par contre, j'allais trop vite. On attend un peu de boost, on a encore de la barre comme il faut. On va pouvoir l'utiliser. Aïe aïe, c'est le carton. Alors, évidemment, on n'a pas de takedown after touch, hein, c'est-à-dire que je peux pas contrôler ma moto et le faire en sorte qu'il se crash. Bah, ça ne marche pas. Ouh, j'ai à peine effleuré, je me suis planté. Bon, pourquoi pas. Once again. On va arriver dans les derniers tours, enfin dans le troisième tour. Là je peux pas aller plus vite, hein, donc typiquement je pense que ça sert à rien de mettre le turbo. Et je suis bloqué à 260, j'ai pas trop parlé des km/h, mais bon, c'est qu'on va plutôt vite. J'imagine que dans les prochaines motos qu'on va débloquer, on va aller encore plus vite. Vous avez vu là, si je compte le boost, ça change rien, je serai bridé à 260. Et la musique qui s'est arrêtée, qui ne reprendra peut-être jamais. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des petites bosses, des petits raccourcis? Des fois, je posais la question, peut-être que en grindant ou tapant à un endroit, on peut peut-être couper par exemple légèrement. Ça serait peut-être possible. Et voilà, j'ai pris trop à l'intérieur. Et directement, l'IA repasse devant. Hein, c'est... Faudrait que je gagne. Comme ça, au moins, je suis tranquille pour la fin. Pff, attention quand même. Pas trop en faire. Bon, vous l'aurez compris, c'est pas le jeu de l'année, loin de là. Mais c'est un jeu qui, techniquement parlant, est correct. Hein, vraiment, hein. Les maniements sont pas mal, la vitesse c'est bon, en fait, comme je résume souvent, la technique y est à peu près. Voilà, pour un jeu qui paye pas de mine, ça va. Je sais pas à combien était vendu ce jeu, je pense qu'il devait être vendu assez cher quand même à l'époque. Mais bon, il y a eu pire. Allez, on va faire start et on va passer du coup au dernier circuit qu'on va débloquer. Donc là, on est en tête du championnat, on marque 10 points, parfait, ce qui fait qu'on sera automatiquement champion normalement à la prochaine course. Et on va découvrir ce circuit de Orchard Lane, je pense que ça se prononce comme ça. Orchard. Le test de Orchard. Ah, petit circuit dans la cambrousse, j'ai l'impression, cette fois-ci. Alors là, par contre, j'ai l'impression de jouer... Oh, regardez le saut. L'impulsion et la bosse. J'ai l'impression, par revanche, ici, de jouer à Road Rash. Road Rash, un jour qu'on avait joué, je crois que c'est sur 3DO qu'on l'avait testé, ou sur Saturn, je sais plus. C'est vraiment passé à ça. Voir un petit peu Manx TT Tourist Trophy sur Saturn. Là, c'est typiquement le décor Tourist Trophy. Allez, pour faire plaisir, je vais changer un peu de vue quand même. Histoire de... Oh là 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 là, ça va vite. Ça va vite. C'est vrai qu'à l'époque, il y a quelque chose qui changeait pas mal sur la Dreamcast par rapport aux consoles normales, à part le fait de me planter. C'est quand même cette fluidité. Hein. Il y a quand même une certaine fluidité dans certains jeux. La Dreamcast tenait quand même des framerates assez élevés selon les jeux. Parce on parle beaucoup de 60 FPS à l'heure actuelle, ce genre de choses. Mais typiquement, vous l'aviez vu allez, par exemple dans Gran Turismo, dans Gran Turismo 1 avec le mode ARS, c'est pas nouveau du tout le 60 FPS. 30 FPS, ça peut nous paraître nouveau à des résolutions actuelles, parce que souvent on bloque à 30 FPS pour que les jeux puissent tenir avec la console. Oh là, par contre là, le
La physique c'était un peu moyen pour que ça tienne sur les consoles, mais à l'époque on s'est très bien fait de 60 images secondes, ça posait pas problème. Le plus dur étant simplement d'avoir 60 images secondes et un jeu joli à la fois. Voilà. Là, je trouvais que la Dreamcast elle est pas du tout mise à l'épreuve, hein, pas vraiment. Elle est capable de rendre des choses bien plus beaux que ça. Choc. Et le deuxième choc, boum. Alors les premiers ont pris un pas mal d'avance et on a à peine le deuxième tour. On est au troisième maintenant. Alors j'ai un peu de mal à anticiper les virages. Je vais avoir du boost. C'est un endroit un peu bizarre pour l'utiliser ici. Je sais pas trop à quel endroit je vais pouvoir le lancer. Surtout que vous aurez remarqué quand je mets le boost, la moto a tendance à ne plus pouvoir tourner. En tout cas, elle a tourné très mal. Hop là, attention. Oh là là, ça pose de la bosse partout. C'est assez permissif, hein. C'est plus permissif au niveau des boss qu'un Verali 2 par exemple, ou un Verali 1. Et on est premier. Vous allez voir, on va être premier dans le dernier moment. Bon, attention quand même. L'IA est assez proche, hein. On a l'impression d'être rapide, mais... Je vais me cracher sur la ligne d'arrivée. Quel beau finish. Allez, on va faire start. Et du coup, on va voir ce qu'on a gagné. On va voir un petit peu... Réserve qualifiée. On va voir ce que c'est. Et donc, voilà, on a 4 autres circuits. Je vais pas vous montrer le jeu entièrement, évidemment. Je vais juste essayer de voir la nouvelle voiture. Eh, on a rien débloqué. C'est un petit peu dommage. Je vais revenir en arrière. On a quoi comme circuit? Tudor Isle. Mais écoutez, on va juste faire la course d'après pour voir un petit peu le dernier circuit. Enfin, le troisième circuit qu'on a déverrouillé. Et on s'arrêtera là-dessus. Non, j'ai pas eu la preuve. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je me suis mis en manuel! Oula, je me suis mis en manuel, alors là ça va être très bizarre. Vous allez voir à quel point je suis mauvais quand il s'agit de passer des vitesses dans un jeu. Probablement vous aurez vu le mode manuel. Hein. Allez, on va faire le circuit, bah écoutez en manuel, hein, si. Inch'Allah, comme on dirait. J'aurais dû passer les vitesses. Je me suis mis au neutre en plus. Allez, alors heureusement pour nous, le jeu nous repasse en première quand on se crash, parce qu'on n'est pas bloqué par un dernier rapport. Ce qui nous obligerait à chaque fois à tomber tous les rapports d'un coup avant de démarrer. Là, j'ai touché quand même. Première fois que vous verrez jouer en manuel dans une vidéo, hein, je précise quand même. Ce jeu va nous faire innover dans cette chaîne. Bon, évidemment, pas de 7ème vitesse, hein, vous l'aurez compris. D'ailleurs, je suis content d'avoir changé les réglages manettes d'ailleurs, parce que s'il avait fallu passer les vitesses autrement qu'avec les gâchettes, je pense que j'aurais été un peu perdu. Mais oui, il me semble qu'on peut sauter limite en utilisant le boost régulièrement. Surprenamment, on s'en sort bien.
J'ai envoyé le... ce que je pouvais là en termes de vitesse. Je vais me concentrer un petit peu quand même. Et on a gagné en manuel. Bah écoutez, comme quoi, hein, tout est possible, tout est faisable, c'est le jeu de la vie. Et on va du coup passer à la suite. Donc on va vous montrer un petit peu, enfin je vais vous montrer un petit peu le circuit. Voilà. On va garder le... j'ai encore fait l'habitude de mettre en manuel, mais c'est pas grave, de toute façon c'était juste pour, là, pour vous montrer. J'ai l'impression que c'est le même en fait. J'ai l'impression que c'est le même mais dans un mode... comment dire... dans un mode un peu plus... bah coucher de soleil. Typiquement. C'est le même circuit, non? Attention au panneau. Non, c'est pas exactement le même. Enfin... non, c'est pas exactement le même. En tout cas, joli effet de fin de journée. Et je m'en sors super bien ma foi. Ah non, fait, je dis ça pour me planter. Bon, c'est pas grave. Alors déjà, pour voir précision, vous en rendez compte. La première, la seconde, la troisième n'ont aucun intérêt dans ce jeu. On est toujours en 4, 5, 6. D'ailleurs, ça me fait penser à beaucoup de motards hein, qui expliquent avec les modèles qu'ils ont. Enfin, je parle des gros cubes, évidemment. Finalement, il y a des rapports qui ne passent quasiment jamais parce que si tu vas au-dessus de 130, enfin pour les passer, il faut aller au-dessus de 130. Et notamment, j'avais un collègue qui tapait les 300. Bon, après, je ne citerai le nom de la personne nulle part, etc. D'ailleurs, cette personne a arrêté la moto suite à un accident. Et bon, qui tapait des 300, hein, plaque relevée évidemment. Enfin, les motos, c'est quand même ultra dangereux et c'est surtout ultra rapide quand on met les moyens et quand on a un gros cul. Et ouais, 300 km/h. Bien que là je suis à 250, potentiellement la 6ème elle peut aller encore très loin. Après c'est qu'une 600, mais bon. Voilà, fini notre tracé. Au moins, le circuit est assez facile. En tout cas, l'IA s'accroche derrière. On peut voir au niveau des. Oh là là, le saut! Ok, oh, c'est magnifique. C'est magnifique, on a fait un joli saut. Et on a gagné. Bah écoute, en plus, avec la vue du dessus. Je vais vous laisser sur le finish, sur le replay. Bah, écoutez, c'était Suzuki All-Star Racing. Ouais, on a prononcé à la franchouillarde. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve pour notre vidéo. Ciao tout le monde !